بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordé à notre maître Mohammed l'Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier, Adam, au dernier, Mohammed. Donc aujourd'hui, nous allons parler du début de la création avec quelques détails. Lorsqu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le début de la création, c'est-à-dire comment cet univers a commencé, à la question qui lui a été posée, le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il n'y a pas de début à l'existence de Allah, c'est-à-dire que Allah est éternel exemple de début, et que rien n'est exemple de début sinon lui. En d'autres termes, Allah Ta'ala lui seul est de toute éternité. Allah Ta'ala crée toute chose. L'expression « il crée toute chose » signifie qu'il a fait exister toutes les choses existantes après qu'il n'existait pas. Allah Ta'ala n'a pas fait que les créatures entrent toutes en existence en même temps. S'il l'avait voulu, cela aurait été. Mais il a créé les cieux, la terre et ce qu'elle contient de fleuves, de montagnes et de vallées dans 6 jours. La sagesse que l'on peut en tirer, c'est que Allah nous apprend la patience dans nos entreprises. Avant la création de la lumière, de l'obscurité, de la terre, des cieux, du trône et de la table préservée, Allah a créé avant toute autre chose l'eau. Il en a fait l'origine des autres créatures. Ainsi, à partir de l'eau, il a créé le trône, puis le qalam élevé, puis la table préservée. Après quoi fut créé le reste des choses, c'est-à-dire la terre, les cieux, les animaux, les montagnes, les arbres et les rivières. La dernière créature du point de vue du genre fut Adam. Il a été créé après l'asr du jour du vendredi. La deuxième créature était le trône, Al-Arsh. Le trône est un lit pourvu de piliers. C'est le plus grand des corps que Allah Ta'ala a créé. Le trône est le toit du paradis. Les 7 cieux par rapport au piédestal sont comme un anneau dans une terre déserte. De même, le piédestal par rapport au trône est comme un anneau dans une terre déserte. Ceci montre l'immensité de l'étendue du trône, qui est porté actuellement par 4 anges gigantesques. La distance séparant le lobe de l'oreille de l'épaule de chacun de ces anges est telle qu'un oiseau volant à vive allure mettrait 700 ans à la parcourir. Au jour du jugement, le trône sera porté par 8 anges, ceci pour manifester l'importance de ce jour. Le trône est entouré d'anges qui glorifient Dieu. Le trône n'est pas un lieu où Allah Ta'ala serait établi, car Allah n'est pas un corps et n'a nul besoin de l'endroit. Attribuer à Dieu l'endroit ou l'établissement ou le besoin est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Quant au terme istawa cité dans le Coran au sujet de Dieu, les savants de l'islam ont dit que cela veut dire que Dieu domine et préserve. Certes, Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance, et il ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. Le trône comme le coursi, c'est Allah qui les a créés, comme manifestation de sa puissance. Allah lui seul est exemple d'imperfection, existe sans endroit et sans direction, et aussi sans comment. Après que Allah Ta'ala a créé l'eau et le trône, il a créé le qalam élevé, al-qalam al-a'la, la table préservée, Al-Lawh al-Mahfoud, puis le reste des créatures. Il a été rapporté à propos de la description de la table préservée qu'elle est constituée d'une perle blanche dont les 2 côtés sont d'une pierre précieuse rouge et dont l'étendue fait 500 ans de traversée.
Allah Ta'ala a ordonné au qalam d'écrire. Le qalam a donc écrit par la puissance de Allah Ta'ala sans qu'aucune créature ne le tienne. Il a écrit sur la table préservée ce qui avait déjà eu lieu et ce qui doit avoir lieu dans le bas monde jusqu'à la fin de ce bas monde. Ainsi, il n'est pas un humain qui naisse, ni une goutte d'eau qui descende du ciel, sans que cela soit conforme à ce qui est écrit sur la table préservée. Les gens du commun utilisent les termes mektoub et mektoub pour désigner ce qui est écrit dans la table préservée. Cela veut dire que tout ce qui va avoir lieu dans ce bas monde, naissance, mariage, mort, épreuve, etc., jusqu'à la fin du monde, tout cela est écrit dans la table préservée. Tout est prédestiné par Dieu, la prédestination du bien et du mal. 50 000 ans après cela, Allah a créé les cieux et la terre dans 6 jours. La terre sur laquelle nous sommes est l'une des 7 terres que Allah Ta'ala a créées. Cette terre est celle qui est la plus élevée. Les terres sont séparées les unes des autres. Dans la 7e terre, il y a un endroit appelé Sijin. C'est le lieu où se trouvent les âmes des mécréants après l'assimilation de leur corps jusqu'à leur résurrection. La géhenne est en dessous de la 7e terre. C'est le feu dont Allah a menacé les mécréants et les désobéissants parmi ses esclaves. La création de cette terre a eu lieu pendant les 2 premiers des 6 jours. Après la création de la terre, Allah a créé les 7 cieux. Ce sont des corps solides que Allah a élevés sans piliers. Les cieux sont séparés les uns des autres. D'un ciel à l'autre, la distance est de 500 ans. Chaque ciel a des portes. Une des portes du ciel a une largeur de 70 ans. Au-dessus du 7e ciel se trouve le paradis. Après la création des 7 cieux, Allah Ta'ala a créé les commodités de la terre, telles que les fleuves, les arbres, les montagnes et autres. Ensuite, Allah Ta'ala a créé Adam à la fin du 6e jour, qui était le vendredi. Bien avant la création d'Adam, Allah avait créé les anges, et puis les djinns qui occupèrent la terre. Mais ces derniers ayant semé la corruption et ayant fait couler le sang, Allah leur envoya une armée d'anges qui les combattirent et les chassèrent vers des îles au milieu des mers. Allah informa les anges qu'il allait créer Adam en disant « Je vais établir sur la terre un vicaire, une sorte de khalifa. » Alors les anges lui répondirent « Vas-tu y placer quelqu'un qui essaimera la corruption et fera couler le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier ?» Les anges lui ont répondu ainsi car ils savaient que comme les djinns, si quelqu'un s'établit sur terre, il lissèmera la corruption et fera couler le sang. Mais Allah leur répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Car Allah savait que parmi les descendants d'Adam, alayhi salam, il y aura des prophètes, des messagers, des véridiques et des martyrs. Allah créa Adam de ses mains avec une poignée de terre provenant de toutes les parties de la terre et de différentes couleurs. C'est pourquoi parmi les enfants d'Adam, l'humanité, il y a des blancs, des noirs, des rouges et ceux qui ont un teint métissé. Et c'est aussi pourquoi ils ont des caractères différents. Il y a le doux, le dur, les deux à la fois. Il y a le bon, le mauvais, les deux à la fois. Ensuite, Allah mélangea cette terre avec de l'eau, ce qui donna de l'argile. Il en façonna la forme du corps d'Adam, puis le laissa sécher pendant 40 ans. Pour Allah, ces 40 ans correspondent au seul jour du vendredi. Il le laissa ainsi jusqu'au moment où le corps d'Adam devint tel une poterie. Iblis, qui était un djinn parmi les anges, était intrigué par ce corps immobile. Il était effrayé aussi. Il le frappait et il en sortait un son comme celui d'une poterie qui sonne.
Iblis entrait même dans le corps pour le découvrir. Le corps d'Adam était robuste et de très grande taille. Puis Allah insuffla son souffle de vie, son esprit, dans le corps d'Adam, qui s'anima aussitôt et il l'éternua. Adam dit alors: Loué soit le Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah lui répondit: Ton Seigneur t'a fait miséricorde, Rahimakallah. Allah dit à Adam d'aller vers les anges et de les saluer, ce qu'il fit en leur disant Assalamu alaykum. Et les anges lui répondirent Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah a indiqué à Adam ce que sera le salut pour lui et toute sa descendance. Allah a appris à Adam les noms de toutes choses, lui disant « Ceci est la terre, ceci est le ciel, voici un oiseau, etc. » Et c'est là que Allah présenta Adam aux anges en leur demandant « Informez-moi des noms de cela si vous êtes véridiques. » Allah voulait tester les anges qui ne comprenaient pas pourquoi Allah a voulu créer Adam. Mais les anges n'ont pas su se contentant de dire « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala demanda à Adam d'informer les anges des noms de telle ou telle chose. Et Adam nomma chaque chose, car Allah lui avait tout appris. Les anges ont alors reconnu qu'Adam était parfait et qu'il connaissait ce qu'eux-mêmes ignoraient. Et c'est là qu'Allah leur demanda de se prosterner devant Adam. Et ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa, qui s'enfla d'orgueil et se sentait supérieur à Adam. Il faut préciser que les anges se sont prosternés devant Adam, non pas par adoration, mais par respect, car seul Allah doit être adoré. Allah demanda à Iblis ce qui l'empêchait de se prosterner quand il l'avait commandé. Iblis lui répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Iblis a eu l'audace de se comparer à Adam créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il pensait être supérieur. Il en était également jaloux car Allah l'avait préféré à lui. Alors Allah fit sortir Iblis du paradis en lui disant « Sors de là, car te voilà banni. » Allah le laissa en vie, mais Iblis jura qu'il séduira, tourmentera les descendants d'Adam, sauf les serviteurs élus d'Allah parmi eux. Et c'est vrai que certains hommes ne suivront pas Satan, mais que d'autres le suivront, et ce sera pour eux le châtiment de l'enfer. C'est tout pour aujourd'hui. La suite de l'histoire d'Adam alayhi salam sera, inshallah, dans un prochain épisode. Que Dieu vous aime, que Dieu vous aide et qu'il vous accompagne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.